Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end pour de nouvelles aventures. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale nouveautés nouvelles, consacrée donc à quelques acquisitions, réceptions, cadeaux, etc., etc. Donc voilà, trouvé ces derniers jours. Je voulais partager ça avec vous parce qu'il y a quand même des choses pas mal qui, je pense, en intéresseront plus d'un. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Nous allons découvrir tous ensemble donc ces fameuses nouveautés nouvelles. Les deux trous de balle juste ici, évidemment, comme toujours, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais! Plus de nouveautés! En club non renté! Oui, enfin dans votre cas, ce serait plutôt le club des ratés. Ouais, c'est pas très sympa, mec! Bah, en même temps, on peut pas dire que vous êtes des lumières non plus. Oh, t'as vraiment pas d'humour, papy, hein? Ouais, bon, puisque c'est ça, nous on s'en va. Et puis bah, on vous retrouve tout à l'heure. Allez, tchuss les amis! Ouais, tchuss! Boum 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 boum. Alors commençons tout de suite donc par ces nouveautés nouvelles, acquisitions, achats, cadeaux, trouvailles et autres. On va commencer tout d'abord donc par voilà cette petite figurine Kingdom Megatron à l'échelle Core Class. Alors certains auront reconnu l'étiquette hein, puisque tout comme le précédent Cyclonus Kingdom donc que j'avais trouvé dans notre vide-grenier permanent, et ben j'ai trouvé également donc il y a quelques jours le Megatron, voilà Core Class. Alors qu'est-ce que Core Class? Ben, c'est une échelle un peu hybride hein. On est dans une échelle un peu supérieure au Legend Class traditionnel, voilà, donc avec aussi une finition une transformation un petit peu plus élaborée. Je le trouve absolument superbe. Savoir qu'à la base, donc j'ai eu l'occasion déjà de le voir dans quelques anciennes de magasins de jouets, le problème étant qu'il était vendu 15 balles. Je ne mettrais pas 15 balles dans une si petite figurine. Là, pour le coup, dans notre vide-grenier permanent, et je vous montre, hein, je me rapproche, voilà, 5 euros. Vendu 5 euros en boîte, en blister, fermé, scellé. Je ne pouvais décemment pas passer à côté. Donc voilà, une petite figurine très sympa. Donc je vous ferai probablement la revue courant de semaine prochaine. Et vous voyez, hein, pour un simple Legend Class, enfin Core Class, puisqu'on est quand même, comme je vous le disais, elle est dans une échelle un peu supérieure, on a quand même donc un nombre d'étapes, un nombre de, voilà, de 12 étapes de transformation, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Et puis les finitions du personnage, que ce soit les moulures, les sculptures, les couleurs utilisées, enfin bref, sont vraiment très très réussies. Donc j'ai hâte de le déballer, de jouer un petit peu avec, et puis bien entendu de vous le proposer semaine prochaine. On continue ces nouveautés nouvelles donc par voilà un colis que j'ai reçu avec ma compagne. Donc ma compagne s'est appris ce qu'elle avait gagné et moi ce que j'ai gagné de mon côté. Donc voilà gagné, voilà, je vais y arriver, donc gagné aux enchères hein, sur un groupe Facebook, donc en provenance de mon ami Eric Corning, que je salue au passage. Voilà, rien que ça, c'est du bonheur en barre, 11 numéros de Batman, du comics Batman, donc sorti entre fin 70, début 80. Voilà, qui me fait excessivement plaisir, que j'ai eu vraiment à un prix extrêmement attractif, hein. Voilà, on a les premiers numéros en général de voilà plusieurs comics à l'époque où Batman n'était pas le sombre personnage violent tueur et autres que l'on connaît donc dans la saga Dark Knight, mais plutôt à l'époque on était plutôt dans le concept du Batman détective, donc c'était plutôt voilà plutôt des enquêtes de Batman. Voilà, au dessin dont je suis super fan, hein, j'adore cette série-là. Voilà, 11 volumes, 11 numéros que je vais pouvoir donc lire, voilà, en toute tranquillité pendant ces vacances. Voilà, de l'or en barre, hein, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de déchirure. Les bouquins pour leur âge sont en excellent état, puisque pour certains, on n'est pas loin des 40 ans. Donc voilà, c'est juste du bonheur. Voilà,
11 numéros en tout. Voilà, pour ma collection de comics Batman. Ça, ça fait super plaisir. Et puis, un petit cadeau, donc voilà, le petit Transformers Animated Bumblebee, voilà, pour l'ajouter à ma collection, donc Animated, que voilà, que m'a offert donc mon ami Tonton Rico. Donc je te remercie Tonton Rico, hein, vraiment parfait. Je suis super heureux, voilà, je suis fan devant l'éternel de Batman. J'ai toujours une petite préférence pour DC plutôt que Marvel, mais bon, voilà, c'est une question de goût, même si j'aime quand même les deux éditeurs, hein. Mais voilà, Batman pour moi ça a toujours été mon super héros favori. Voilà, donc voilà, 11 numéros de pur bonheur qui vont m'occuper pendant mes vacances. Ça va faire super plaisir de les bouquiner ça chez moi tranquille ou à la plage, voilà, en faisant bronzette. Et puis donc le petit Bumblebee Animated, hein, qui se transforme aussi. Donc le mode robot je vous montre pas parce que c'est vraiment voilà anecdotique, mais ceci dit en mode voiture, voilà, il est plutôt sympatoche. Merci encore Tonton Rico. Yes. Et on va terminer donc par le meilleur, le dessert, donc colis de mon ami Damien, voilà, que vous commencez à présent à connaître, fan de Tokusatsu, Super Sentai, mais plein d'autres choses, avec qui j'ai eu voilà quelques petites tractations de qualité, comme toujours, des choses qui me font super plaisir. Alors on va commencer tout de suite par les cadeaux, puisque forcément, voilà, à chaque fois que je lui achète quelque chose, il me fait des cadeaux. Donc en cadeau, j'ai tout d'abord ces deux figurines en plastique rigide, donc de la série Jiraiya, dans laquelle Dorothée avait joué dans un ou deux épisodes, il me semble. Donc deux figurines, hein, qui vont aller rejoindre ma collection. Alors ce sont pas les figurines métal extensibles de l'époque, mais ceci dit, elles sont quand même plutôt pas mal fichues. Voilà, deux figurines qui vont rejoindre aussi ma collection de personnages Toku. Voilà, nous avons ensuite ces deux pièces-là, alors qu'ils ne diront peut-être pas grand-chose à certains, voilà, mais pour d'autres et pour moi, ça veut dire beaucoup, tout simplement. Donc le slip du DX5 robot et le canon donc du Star 5 DX, tous deux issus de la série donc de Super Sentai japonaise Five Man. Il me manquait voilà ce slibar parce que l'air de rien, c'est une pièce très importante, hein, c'est la pièce qui permet de réunir donc le torse aux jambes. Voilà, la figurine que j'ai actuellement malheureusement ne tient pas très bien à cause de ce manque, voilà, qui est aujourd'hui résolu, puisque je vais pouvoir ajouter cette pièce là donc à mon petit Five Robot DX. Voilà, ça fait super plaisir, il se complète hein, petit à petit, et puis j'attends encore d'autres choses pour le compléter, mais ça on verra ça donc la semaine prochaine également dans un spécial Meikwaku Case, puisque j'attends pas mal de choses que nous découvrirons donc ensemble. Et puis donc l'un des gros guns qui va avec le Star 5, me manque le deuxième et la partie qui réunit les deux de façon à le loquer sous le véhicule, mais voilà, hein, petit à petit, doucement mais sûrement, voilà, mes robots se complètent. Ça fait infiniment plaisir. Voilà pour ces deux petites choses. On continue avec donc du lourd, du très lourd. Voilà, le voici, le voilà. Alors certains le reconnaîtront, ceux qui connaissent la série Super Sentai, Spilvan, voilà, ça leur fera systématiquement remonter de bons souvenirs. Et pour les autres qui n'ont pas connu Spilvan, mais la série de Saban, la série absolument pourrie donc de VR Trooper, donc il s'agit du tank du général 2-0, voilà, l'un des ennemis donc de Spilvan, qu'on voit souvent se confronter à la fin dans la scène d'action. Alors il manque les chenilles, mais voilà, pour le reste c'est propre, c'est du costaud. Et donc nous avons un petit poussoir ici qui permet de pouvoir déloquer, voilà, de façon à faire deux véhicules. Je n'en montrerai pas plus puisque je ferai également par la suite donc une revue, mais voilà, déjà pour vous pour aiguiser votre intérêt et votre appétit. Voilà, véhicule vraiment superbe, hein, la gamme de véhicules Spilvan est vraiment absolument sensationnelle. Voilà, j'ai quasiment tous les véhicules maintenant, me manque je crois son
sa moto. Voilà, mais sinon j'ai quasiment maintenant l'essentiel de la collection Spillvan, donc manque les chenilles, mais ça c'est une caractéristique commune malheureusement à ces jouets d'époque. Donc voilà, un vraiment superbe véhicule, métal et plastique, ça fait son poids. Voilà, c'est de toute beauté, tout comme les finitions. Donc voilà, un véhicule que je me ferai un plaisir de vous présenter tôt ou tard, lorsque j'aborderai donc, après les revues Super Sentai, les revues donc Metal Heroes. Voilà, pour celui-ci, et pour terminer donc, voilà, petit coffret. Alors, petite façon de parler, puisque la boîte est quand même assez grande, même plus que les robots qui se trouvent à l'intérieur. Alors, je vais voir si je peux vous faire un gros plan, ça va pas être évident. On va remonter un peu la camion rouge, histoire de voilà, d'avoir quand même le maximum du packaging en aperçu. Donc nous avons ici donc la réédition du Dino Megazord issu de la série Power Ranger Mighty Morphing. Voilà, réédition de Hasbro, puisque ça fait quelques années maintenant que Hasbro a racheté donc les droits à Bandai. Voilà. Figurine qui est plutôt sympa, hein, qui est très fidèle au robot d'origine, mais qui malheureusement n'égale pas le robot d'origine. Alors certes, celui-ci gagne en articulation, mais ce qu'il gagne en articulation, il le perd en finition. C'est-à-dire que le robot d'origine, et je vous en ferai une revue également avec le comparatif, vous comprendrez. Le robot d'origine avait de nombreuses pièces chromées, celui-ci n'est absolument rien de chromé. Voilà, c'est pour moi vraiment navrant, quitte à faire une réédition, une édition, une version hommage comme Hasbro l'a fait, autant pousser les choses à fond et proposer des pièces chromées. Ce n'est pas le cas. Et autre chose qui change aussi, c'est la taille, hein, puisque voilà, les robots sont bien plus petits que celui d'origine, mais ça fait quand même super plaisir. Je suis content de l'avoir parce que malheureusement, l'original n'est pas complet et je crois que j'aurais vraiment du mal à le compléter. Ça va être chaud. Donc voilà, hein, constitué donc de plusieurs ordres de type préhistorique. Donc T-Rex, Ptérodactyle, etc., etc., mammouth, Triceratops. Donc le tout s'assemblant donc pour former notre robot. Voilà, notre Dino Megazord, mais également ils peuvent tous s'assembler pour former une sorte de grand véhicule. Alors je vais l'ouvrir hors caméra pour vous montrer vite fait un peu à quoi ça ressemble. Voilà donc le contenu de la boîte. On les trouve, j'ai plus généralement en magasin, en blister de deux. Donc il y a trois blisters de deux figurines pour avoir la totale. Moi j'ai la chance donc d'avoir, grâce à mon ami Damien, donc voilà, qui m'a trouvé ça au Japon, étonnamment, hein, voilà, du Megazord de Hasbro acheté au Japon. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc les figurines sont très sympas, on retrouve vraiment l'esprit l'esprit du robot original. La seule chose, comme je vous dis, c'est que les échelles sont plus petits, hein, les robots à la base sont les originaux sont bien plus gros que ça. Mais voilà, le hic, c'est qu'il n'y a absolument aucun chrome, hein. Sur celui-ci, normalement, les jambes, enfin toutes les pattes du moins, sont chromées. Sur le Triceratops, on a également donc les cornes normalement de chromées. Sur le mammouth, là aussi, les cornes sont chromées. L'épée, là malheureusement, voilà, tout est en plastique teinté dans la masse. Je trouve ça vraiment dommage, faire un hommage un Megazord quand même culte et ne pas pousser donc voilà le souci du détail jusqu'à faire des chromes. Donc vous le voyez là comme ça dans son état brut. Maintenant je vous le dis, hein, je vais faire un custom repaint. Donc je vais tous les démonter et je vais chromer toutes les pièces qui doivent être chromées, histoire d'avoir quelque chose de plus sympathique esthétiquement et surtout donc de bien plus fidèle par rapport à l'original. Mais ça fait quand même plaisir, hein, surtout au prix où je l'ai eu, donc bien moins cher que tout ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc voilà, ça vaut le coup. Je suis content parce que d'un côté donc j'ai enfin l'intégralité de ce robot, et de l'autre côté bah, je suis un peu sur ma faim parce que voilà, absolument zéro chrome. Je trouve que c'est quand même chier.
Voilà, donc bon, bah, je ferai les choses moi-même. Après tout, hein, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par moi-même. Et puis donc, voilà, quand tout sera chromé et par la suite, donc je vous ferai une revue sur celui-ci avec en comparatif donc l'original, donc qui est pour malheureusement incomplet. Enfin voilà, c'est déjà une très très bonne acquisition. Merci infiniment Damien, hein, pour ton aide comme toujours. Hein. Grâce à toi, tu me permets de compléter mes collections et aussi de compléter tous mes robots Super Sentai, Tokusatsu, Metal Heroes et autres pour lesquels j'ai des manques de pièces. Voilà, petit à petit, donc ma collection gagne en qualité. Donc voilà, c'est grâce à toi. Je te remercie vraiment, hein, pour ton aide, ton amitié. Ça, voilà, c'est super. T'es un mec en or. Ne change rien. Voilà un petit peu donc, hein, pour petit récapitulatif, hein, donc de ce que j'ai eu par mon ami Damien, sans oublier donc les petits cadeaux et les pièces détachées pour compléter donc mon 5 Rovo DX, pardon, et puis donc le Star 5 DX, voilà. Voilà, qui commence à prendre consistance, et puis donc voilà, continuer à compléter ma collection Spilvan. C'est juste du grand bonheur. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour, donc nouveautés nouvelles, hein, mes dernières acquisitions, achats, trouvailles, cadeaux, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, vous a fait passer un bon moment et vous a permis aussi de voilà de vous donner une idée de ce qui vous attend dans les prochaines vidéos, dans mes prochaines revues. J'ai pas mal de retard, donc voilà, j'espère combler ça au fur et à mesure. Je ferai une vidéo spéciale unboxing, donc une vidéo Mekwaku Case semaine prochaine, parce que j'attends de très belles choses, hein, notamment en Transformers. Donc on découvrira tout ça ensemble en même temps. Voilà, là, pour ce qui est de ce que j'ai eu aujourd'hui, bon, ben voilà, j'ai craqué, j'ai pas eu le temps d'attendre, donc j'ai voulu voir tout de suite ce qu'il y avait. Voilà, je suis faible, je l'avoue. Voilà, donc n'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, donc voilà, de ces petites nouveautés. D'avance, merci infiniment pour tous vos pouces bleus. Voilà, qui font toujours énormément plaisir. Il y a une recrudescence de pouces bleus, donc ça fait plaisir. Voilà, ça fait, voilà, c'est super sympa de votre part. Et puis, bah, que dire d'autre à part vous souhaiter donc bah, un bon week-end ou de bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Voilà, amusez-vous bien, reposez-vous bien. Petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre donc notre famille de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Nous avons à présent passé le cap des 1560 abonnés. Tout ça grâce à vous, donc merci infiniment. Et comme toujours, plein de gros bisous aux plus anciens. Voilà, toujours là, fidèle au poste. Je ne vous retiens pas plus. Voilà, profitez bien, amusez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Ouais, et ben, encore de belles choses, mec. T'es gâté, dis donc, papy, hein. Oui, mais t'es gâté pas dans le sens où t'es gâté comme un fruit pourri. T'es gâté parce que t'as des belles choses. Toujours de belles choses au club Dorothée. Bah non, m'appelez pas Dorothée, les mecs, je suis pas Dorothée. Bon, ok, on recommence. Toujours de belles choses au club du papy. Ouais, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Et puis ça rime pas. Alors moi, je propose... Toujours de belles choses au club du pépé. Ben voilà, ça y est, on la tient. Cool, le jingle de fin. Ouais, bah si vous voulez mon avis, moi, ça me laisse sur ma faim. I would have waited an eternity for this. It's over, Brown.